Nagyon szépen köszönöm. Először is megnyugtatom Önöket, hogy franciául fogunk beszélni, csak még két mondatot szeretnék mondani magyarul. Tényleg egy gondolat erejéig, hogy tulajdonképpen azt a kérdést is fel lehetne tenni, már az egyik kötet címéből kiindulva, hogy hogyan kerül az etnológus a műcsarnokba. Vagyis, hogy minden beszélgetésnek van egy kontextusa, és tulajdonképpen az a kérdés merülhet fel, hogy hogyan kerül valaki, aki etnológiával foglalkozott gyakorlatilag egész életében, társadalomtudományoknak szentelte az életét, hogy hogyan kerül alapvetően egy művészeti intézménybe. És itt nagyon fontos lesz az, amiről majd még szó fog kerülni a mai estén, hogy hogyan vált terepet tulajdonképpen az antropológia, vagy az antropológus hogyan változtatja meg az érdeklődését, és hogyan fordul a saját kultúrája felé, és ezen belül az az idegen tekintet hogyan segíti tulajdonképpen a saját kultúrájának az értelmezésében. Ez a fordulat nem csak az antropológiában vagy az etnológiában, hanem mondjuk a történelemtudományban, főleg a társadalomtörténetben is végbe ment. A kötetekben olvashatóak, és egyébként ilyen hivatkozások, Carlo Ginzburg nevét említi, Emmanuel Leroy-Ladurie nevét, Jacques Le Goff nevét találhatjuk meg. Én talán egy másik szerzőt emelnék ki, akiként szintén hivatkozási pontja Marc Auger reflexióinak, ez pedig Michel de Certeau. Aki tulajdonképpen ugye vallástörténészként a misztikus mesével, 17. századi vallásossággal foglalkozott elsősorban, és 1980-ban kiadja a L'Invention du quotidien című könyvét, amely talán az első ilyen, legalábbis a történészek részéről az első ilyen típusú fordulat, amely nem csak a téridő problémájával játszik, hanem kifejezetten a jelenkori kultúrával és ezen belül a tér problémájával foglalkozik. Tehát tulajdonképpen ez nem teljesen, vagy mondjam, talán ebbe a kontextusba lehet elhelyezni, és innen már talán jobban érthető, hogy tulajdonképpen a kortárs művészet, amely a városi terekkel hangsúlyosan foglalkozik, és ezeken belül Marc Auger gondolatai, és elsősorban a nem helyek, mint kifejezés, de egyébként az etnológus a metróban is egy nagyon kedvelt, nagyon szeretett hivatkozási pont, amely kifejezetten megtermékenyítette egyrészt az etnológiai gondolkodás, és természetesen, de hogy a kortárs művészetet is. Tehát azt gondolom, hogy ez az a kontextus, amiben el lehetne helyezni ezt a beszélgetést, vagyis hogy úgy képzeltük el, hogy ez nem egy nagyon szakmai jellegű beszélgetés lenne, hanem megpróbálunk egy picit nyitni, és hogy tulajdonképpen, amit úgy szoktuk mondani, hogy a művelt nagy közönség felé, tehát nem egy ilyen belterjes fogalom központú beszélgetésnek képzeljük ezt el, hanem inkább egy kicsit kinyitni, és megnézni azt, hogy tulajdonképpen mire használhatóak ma ezek a fogalmak. Donc, je vais continuer en français. Donc, on a trois livres à présenter. La traversée de Luxembourg, qui est une ethnofiction, une réflexion à la fois littéraire, à la fois ethnologique, qui porte sur divers sujets. À titre d'exemple, quelques exemples, le rapport entre la politique et le bonheur, la fonction de la télé dans un appartement, la notion de travail et son rapport au temps, la fonction sociale du rite et plus particulièrement le rite politique, la vieillesse dans les sociétés contemporaines et son rapport à la jeunesse et comment celle-ci change de nos jours, également le réseau du métro comme système symbolique, une approche anthropologique de la série télévisée bien connue intitulée Dallas et l'acteur Patrick Duffy, etc. Donc le livre qui est extrêmement riche d'idées donne une anthropologie de soi, et ça je trouve c'est des mots-clés, anthropologie de soi, dans la mesure où il est très, disons, subjectif et autoréflectif en même temps. Le deuxième livre à présenter et à discuter, c'est un ethnologue dans le métro qui peut être considéré comme une sorte de continuation de la traversée du Luxembourg. Le livre sur le métro est également une approche ethnologique qui considère l'espace du métro, les lignes, les changements, les stations et bien entendu le public du métro comme un terrain anthropologique. Donc voyager, observer les comportements des Parisiens, des passagers, les Parisiens dans le métro, c'est travailler sur le terrain. Et cette approche nous conduit au troisième livre, qui est probablement le plus connu, le plus cité, c'est Les non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité. Cette œuvre cherche à comprendre l'importance de l'attribution singulière
elle définit l'anthropologie comme la science des 21e siècle, qu'elle focalise sur la singularité dans une culture entre guillemets globalisée et homogène. Donc selon Marc Auger, je cite, si un lieu peut se définir comme identitaire, relationnel et historique, un espace ne peut se définir ni comme un identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique, définira un non-lieu. Fin de citation. Bref, le non-lieu s'oppose à la notion de lieu anthropologique. Donc les moyens de transport, les grands chaînes hôtelières, les supermarchés, des aires de repos, d'autoroutes, mais aussi les camps des réfugiés peuvent se définir comme non-lieu. Donc tout d'abord, je vous invite, je vous propose de discuter les deux premiers livres, et le rapport personnel et subjectif vis-à-vis de l'espace urbain à travers le métro. Donc vous observez les itinéraires, les changements, le comportement des passagers, leur solitude, etc. Est-ce que le métro peut être conçu comme un non-lieu ou à travers la singularité, à savoir le métro fonctionne dans les sociétés bien différentes, il existe une certaine spécificité, donc une singularité. Au titre d'exemple, et je m'arrête là, en Hongrie, par exemple, la construction du métro, c'est toujours politique. Donc sans parler de tous les débats autour de la ligne 4, je me limite, en fait, en 1951, juste à propos de la construction du métro, c'est la ligne 2 maintenant, Joseph Rivaï a comparé le métro de Paris et le métro de Moscou. Le leader de la politique culturelle a dit devant les architectes d'ailleurs que, et je cite, « Le luxe du métro de Moscou nourrit le sentiment des travailleurs que dans l'Union soviétique, même les jours ouvrables, les quotidiens, peuvent être conçus comme des jours fériés. » Donc le luxe des stations de métro à Moscou a fait partie d'une représentation politique. Donc je vous invite de discuter en fait la question de soit non-lieu, soit la singularité, soit l'apparition de l'espace urbain dans le métro, etc. Donc je pense que le chantier est ouvert, et voilà. Je vous passe la parole. Eh bien, le chantier est vaste. Je crois que pour répondre déjà à une première question, je n'avais pas du tout l'idée du non-lieu lorsque j'ai écrit le métro. D'ailleurs, il y a métro et métro. Le métro, c'est comme le reste, il a une histoire qui s'accélère d'ailleurs, et qui est le reflet de celle de la surface. En fait, le métro que j'avais en tête ou dans le cœur, c'était le métro qui m'était habituel depuis l'enfance, c'est-à-dire des itinéraires que je connaissais bien, des noms de stations que je connaissais par cœur, bien sûr, comme un poème un peu. Et de ce point de vue, l'espace du métro avait tout d'un lieu. Il avait tout d'un lieu pour moi, parce qu'il m'était sensible. Il avait tout d'un lieu aussi, objectivement, lorsqu'il y avait des stations avec des contrôleurs humains, parce que tout s'est mécanisé terriblement, il y avait des gens que l'on connaissait dans les stations de métro. Le poinçonneur, on a parlé dans les chansons, le poinçonneur était un homme que l'on connaissait, avec lequel on pouvait échanger un mot, etc. Bref, il y avait un côté un peu familier, sinon familial, dans la station de métro au cœur de Paris. Et c'est ce métro-là a évidemment changé avec la ville, car le centre de Paris est devenu davantage un centre touristique. Il est très cher d'habiter le centre de Paris, donc les gens y habitent de moins en moins. Les lieux s'éloignent. Les entreprises aussi, certaines sont implantées dans Paris, mais on vient de la banlieue pour y travailler, quand on a du travail, et c'est tout un équilibre qui change. Autrement dit, le métro devient davantage un moyen de transport
un moyen de transport entre des points éloignés. Ça renvoie à un autre type d'habitat aussi, parce que les mêmes immeubles qui étaient dans le 5e ou 6e arrondissement, par exemple, étaient des immeubles multiclasses. Il y avait une hiérarchie sociale, mais qui s'exprimait dans les étages. Le 2e et le 5e étaient les étages doubles, et c'est ceux qui ont des balcons. Et au rez-de-chaussée, ou à l'entresol, il y avait les commerçants dont les boutiques étaient au rez-de-chaussée. Et puis il y avait les sixièmes qui étaient l'étage des employés, etc. Bref, mais on rencontrait tout le monde dans l'escalier, parce qu'en plus il n'y avait pas d'ascenseur souvent. Donc il y avait une espèce de mixage social et qu'on retrouvait éventuellement dans le métro. Même s'il y avait des wagons de première classe, rouges, et les wagons de deuxième classe, verts. Bon. Tout ça a beaucoup bougé et l'aboutissement, les lignes se sont allongées et il y a le RER qui est la vérité du métro actuel, c'est-à-dire il s'agit de Paris, dans la perspective du RER, Paris devient presque un lieu de passage avec quelques points d'arrêt entre des banlieues situées à l'est ou à l'ouest ou au nord ou au sud, c'est-à-dire c'est un renversement complet du centralisme parisien. C'est vrai que dans le métro, je n'ai pas fait une ethnologie du métro à proprement parler. Vous avez parlé, j'ai évidemment évoqué les lignes, les correspondances, etc. Tout ce qui pouvait dire quelque chose à l'ethnologue. Mais j'ai essayé, me semble-t-il, davantage de me transformer en indigène de ma propre société. C'est-à-dire que le métro, pour moi, c'était le terrain, non pas sur lequel je travaillais, enfin plus que le terrain sur lequel je travaillais, c'était plutôt le terrain auquel j'appartenais. Et donc je me suis posé des questions sur ce que ça pouvait être pour quelqu'un d'être interrogé par un ethnologue. Simplement, j'étais à la fois l'ethnologue et l'ethnologisé, si je peux dire. C'était une expérience de ce genre et qui m'a intéressé. Je ne sais pas comment l'idée m'en est venue, parce que j'avais envie de m'exprimer. Ça a été au fond une espèce de genre que j'ai créé, une sorte d'ethnofiction qui n'était ni tout à fait de l'ethnologie, parce que si j'ai pas fait l'ethnologie du métro, il aurait fallu prendre bien des choses en considération que je n'ai pas fait, mais j'ai fait une ethnologie dans le métro. Voilà à peu près ce que je voulais dire pour l'instant. Je sais pas si a tempo como hey sin que fiche animare mayor urfo persene. Azok között a szerzők között, akiket megemlít a könyvekben nagyon gyakran, Marcuse szerepel Lévi-Strauss. És Lévi-Strauss mondta, hogy az etnológus abból indul ki, egy olyan dologból, amivel jól lehet gondolkodni. És a metró valami, amivel nagyon jól lehet gondolkodni. És hát szól a metróról is, de rengeteg más mindenről. És akár arról van szó, hogy milyenek a vonalak, hogy mit ismer az ember, hogy hogyan ismeri ki magát, hogy hogyan nézi az utazókat, a többi utazót. Ez az egyik szint, és a végig van egy másik szint, ami egy nagyon izgalmas módszertani dolog, tehát az, hogy hogyan alkotja meg az etnológus önmagában a másikat, azért, hogy a másikat le tudja írni. Ez volt számomra nagyon érdekes. Aztán nagyon érdekes azok a nem explikált, mondjuk így szakirodalmi áthallások, amelyek nagyon is összekapcsolják ezeket a könyveket mondjuk a szigorúan és unalmasabban megfogalmazott szociológiával, mert talán a legfontosabb az, hogy ezeket nagyon jó olvasni. Tehát egy
egy más stílus, nem az, amihez hozzá vagyunk szokva, egyszerűen szép irodalomként is jó, és hát ez Ágostonnak is köszönhető, aki jó fordításokat csinált. Első lépésben talán ennyi. Oui, la question de Longlieu se pose, si cette question se pose, c'est une question assez difficile parce que je suis tombé sur un entretien avec M. Auger d'il y a quelques ans, dans lequel il a précisé que le métro, ce n'est pas forcément un non-lieu. Il y a des tendances qui peuvent être mises en relation avec les non-lieux, mais... le métro offre la possibilité de créer des identités et de se lier à certaines stations. Donc, je pourrais argumenter dans les deux sens. Tout d'abord, pourquoi le métro est un non-lieu ? Le non-lieu est, à mon avis, inséparable du phénomène de la mondialisation et du phénomène des métropoles. Les non-lieux, le non-lieu, c'est une question de densité. Donc, non seulement une qualité, mais une quantité. Si on parle à des gens qui se bousculent tous les jours dans le métro, on va s'apercevoir que c'est impossible de tisser des liens personnels entre tant de personnes. Donc forcément, quand il y a tant de gens qui sont mis dans un même endroit, il y a une réaction psychologique, un mécanisme de défense qui se crée. Donc ces emails qui en a parlé il y a plus de 100 ans, que les stimuli dans les métropoles sont tellement agaçants, tellement nombreux, que on finit par ne pas réagir à ces stimuli. Donc, de ce point de vue-là, le métro, à mon avis, est un non-lieu. Pourquoi je dis que malgré tout, le métro peut être perçu comme un lieu? Je voudrais citer Patrick Modiano, un écrivain contemporain, et je vous citerai ce passage parce que à chaque fois la station de métro Charles de Gaulle Étoile est mentionnée, c'est ce passage-là qui me vient à l'esprit, et c'est un passage très très personnel et qui crée un lien qui peut créer un lien secret à une station. Donc, voici le passage. Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit « Pardon, monsieur, où se trouve la place de l'Étoile ?» Le jeune homme lui désigne le côté gauche de sa poitrine. Là, c'est une histoire très, très compliquée, et à chaque fois, cette station est mentionnée. Et quand je discute du métro avec mes amis, je ne peux pas ne pas penser à cette petite histoire. Et dans ce sens-là, le métro, pour moi, c'est une question d'histoire. Donc, Monsieur Auger précise qu'un non-lieu, c'est forcément un lieu historique, donc qui a du passé, auquel on peut lier des histoires. Donc, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai que je reviens sur cette histoire du métro comme lieu. Je n'ai jamais pensé d'écrire le métro d'abord comme un non-lieu. Car pour les raisons que vous dites. En plus, c'est vrai qu'il y a une adéquation entre les cheminements du métro parisien et les rues de Paris. C'est un métro très dense. Je crois que c'est sans doute le métro le plus dense au monde. Et il est d'une certaine manière en rapport constant avec la surface. D'ailleurs, les noms de stations sont faits comme cela. Souvent, on accouple le nom de deux rues et ça donne Réaumur, Sébastopol, etc. Ce qui fait qu'on peut réciter les noms de stations
en ayant en tête la surface, la surface, le lieu de la surface. En outre, il y a des parcours qui sont souvent des parcours réguliers. Les gens qui prennent leur métro pour aller à tel endroit, qui le prennent quotidiennement, changent au même endroit, ils ont une familiarité avec la station. On se met dans le wagon qui est en tête ou en queue, selon que l'on va, parce qu'on sait que l'on va changer, que la sortie est à tel endroit, etc. Il y a une familiarité du contact avec le métro qui est réelle. Cela dit, bien sûr, le métro change avec cette surface et avec la population, et donc il y a, de ce point de vue, une évolution, même si on peut retrouver encore ce caractère. Lorsque je suis à Place Maubert et que je vais à Odéon, j'ai quand même le sentiment d'être dans mon passé, n'est-ce pas? Et j'ai une familiarité avec ces lieux. Mais il y a des choses qui changent, à la fois une population plus abondante dans le métro, et plus abondante et plus diverse. C'est le peuplement de Paris qui a changé en 20-30 ans. Des déplacements aussi en surface, j'y faisais allusion tout à l'heure, dans l'installation, dans les habitations. Et aussi des aspects un peu différents. J'ai remarqué, je ne sais pas si c'est nouveau, en tout cas si c'est nouveau, c'est pas très nouveau. Je crois qu'il est très difficile de rencontrer le regard de quelqu'un dans les wagons du métro. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux, c'est senti comme une provocation. Et j'ai fait souvent, une fois que j'ai fait cette remarque, je me suis rendu compte que tout le monde essayait d'esquiver le regard. C'est quelque chose d'assez étonnant. Ça va pas de soi, c'est pas évident. Et c'est peut-être un côté français, je ne sais pas. Mais il y a cette fuite des regards. C'est donc pas instantanément un lieu social. Alors il faut qu'il y ait, s'il y a une panne, quelque chose, un incident quelconque, à ce moment-là ça s'agite, les gens discutent. Mais autrement, c'est même très curieux la manière dont on peut être très nombreux dans un wagon de métro sans que le moindre contact ait lieu. Contact physique, si, parce qu'aux heures de pointe, il y a de la presse. Mais pas de contact véritable par la parole en principe. Enfin, je ne veux pas systématiser. C'est quelque chose qui certainement va dans le sens d'une interdiction des relations qui est. Alors qu'il y a des contrepoints, parce que si vous voulez, il y a des. Dans le quotidien Libération, vous voyez souvent des petites annonces du genre « Nous nous sommes rencontrés, vous êtes monté à Odéon, vous êtes descendu à Châtelet, se revoir, vous portez une robe verte, se revoir, point d'interrogation, une espèce de drague a posteriori dans le métro. » J'ai toujours trouvé ces messages assez poétiques et en même temps un peu dérangeants. Poétiques et dérangeants parce que Ils prennent un peu leur désir pour des réalités. Il y a une voracité du regard qui explique peut-être justement qu'on essaie de ne pas se regarder dans le métro, parce qu'il y a une prise de possession qui est drôle dans ces messages. On impose le coup de foudre à quelqu'un, n'est-ce pas ? C'est une espèce d'illusion. Donc il y a à la fois du lieu et du non-lieu, comme partout. Oui, mais j'aimerais m'attarder encore un peu sur. En fait, donc il y a un paradoxe. Il y a un exemple qui a été donné par Agoston, c'est que il aime bien les aéroports. Si l'aéroport est considéré comme non-lieu, est-ce que c'est possible de comprendre ou d'apprécier comme est-ce que c'est d'approprier donc un espace d'un aéroport? Est-ce que c'est possible ou pas? Je me traduis.
tehát hogy nincsen elég mikrofon, ezért lefordítom most, tehát az a kérdés, hogy mint a, tehát lenne egy paradoxon, tehát vannak ezek a nem helyek, mint a, például a repülőtér, de Ágoston a kötetek fordítója azt mondja, hogy vannak egyes repülőterek, amelyeket ő kifejezetten nagyon szeret. És ez a kérdés, hogy akkor tulajdonképpen jelentésekkel be lehet-e, vagy meg lehet-e változtatni egy ilyen típusú városi térnek a karakterét? Oui, la question se pose de la manière suivante. Est-ce qu'un non-lieu, c'est quelque chose de négatif? Est-ce que forcément c'est quelque chose de négatif? Et la réponse, c'est non. Il me semble que dans nos vies, on a besoin des non-lieux. Je pense à des non-lieux. Dans un contexte où tout le monde est occupé de vérifier son site Facebook, tout le monde envoie constamment des messages, répond à des textos, à des appels, donc à des sollicitations en gros. Et à mon avis, ces non-lieux dans le monde actuel sont des lieux et des moments de grâce, de repos, de calme. Donc on a dans un non-lieu, on a le temps de lire dans un avion, la connexion internet est assez limitée, les appels, il n'y a pas d'appel parce qu'il n'y a pas de réseau, on est invité à éteindre le portable dès le décollage. Donc dans les non-lieux, on peut se réfléchir un peu sur les choses, on peut s'adonner à la lecture, on peut s'adonner à la musique. Et j'ai entendu, c'est un philosophe hongrois qui avait dit ça, c'est une anecdote que j'ai trouvé très, très intéressant, dans un entretien, à une question, est-ce que vous avez beaucoup d'amis, monsieur, et vous fréquentez vos amis assez souvent, et vous rendez visite à vos amis? Il a répondu, oui, j'ai quelques amis, mais si j'avais trop d'amis, j'aurais pas le temps de lire. Donc ça, c'est une question, un grand point d'interrogation. Oui, je voulais revenir sur cette histoire de l'aéroport et du non-lieu. J'adore les aéroports, moi aussi, un peu par nécessité d'ailleurs, mais je dois dire que vous avez raison. L'expression non-lieu, commençant par une négation, est connotée négativement, bien sûr. Mais un non-lieu n'est pas plus le malheur qu'un lieu n'est le bonheur. Au XIXe siècle, les ouvriers qui fuyaient la campagne considéraient la ville comme l'accès à la liberté. Et nous savons bien que le comble du lieu, c'est un petit village traditionnel où tout le monde est dans le regard des autres, ce qui n'est pas non plus un idéal nécessairement partagé par tous. C'est vrai que les espaces de solitude sont des espaces de repos, des temps de pause qui sont intéressants. Il faut dire aussi deux autres choses, c'est que d'une part, dans un aéroport, il y a des gens qui travaillent, qui ont des relations avec d'autres et qui sont dans un lieu quotidien. Et donc le non-lieu, c'est une notion relative. Je n'ai pas voulu faire des listes comme ça de choses qui seraient des lieux et d'autres qui sont des non-lieux. Mais c'est vrai aussi que le non-lieu peut être un espace considéré comme un espace d'aventure. C'est un espace de rencontre, éventuellement. Il n'y a pas de préfiguration des liens sociaux, mais on peut rencontrer quelqu'un. Donc il y a une poésie qui peut s'y attacher. Après tout, dans les romans médiévaux, le chevalier qui part dans la forêt et il est dans une forêt très abstraite, il sait qu'il va à la rencontre de il ne sait pas qui. Alors, il va trouver un château fantomatique, vous savez, mais il part. C'est le chevalier errant, comme on dit. Et l'errance a du bon. Donc, je crois qu'on ne peut pas
la question de savoir si c'est positif ou négatif est une mauvaise question, je pense, parce que d'une certaine manière, ça peut être l'un ou l'autre, indifféremment. Et il s'agissait pour moi de plutôt d'essayer enfin, il faut être franc. J'essayais plutôt de donner des définitions un peu techniques de ce que c'était, et aussi, malgré tout, de caractériser ce qu'est la planétarisation ou la globalisation, parce qu'il y a une extension de ces espaces de consommation ou de circulation qui est énorme. On peut appeler ça urbanisation aussi. C'est à peu près similaire, parce que la moitié, dit-on, de la population aujourd'hui vit en ville, et ça va s'accroître. Je crois que c'est plus grand encore que cela, parce qu'il y a tout ce qui est, non pas ville à proprement parler, mais zone urbanisée, qui fait que dans un pays comme l'Europe, où on manque un peu d'espace, on passe d'une ville à l'autre sans solution de continuité. Donc tout cela est effectivement un peu préoccupant. Un peu préoccupant parce que, d'une certaine manière, sous le rapport de la technologie et sous le rapport de l'économie, avec quelques soubresauts et contradictions, nous sommes déjà partout à l'échelle de la planète. Et nous sommes des habitants de la planète. Mais sous d'autres rapports, nous ne le sommes pas encore. Et je crois que ce qu'on appelle la crise, ou les formes de violence qui existent sur la planète, sont liées à ces différences d'échelle. Alors là, on est plus déjà dans la problématique du lieu ou du non-lieu, mais il est vrai que... Une autre question, la question qui est liée, c'est que vous disiez qu'on échappe au non-lieu que par le non-lieu, parce que est-ce que les espaces de communication sont des non-lieux? Ça, c'est une vaste question. Je crois que c'est la question la plus importante. Nous avons aujourd'hui l'impression de devoir être connectés. Il y a un devoir de connexion. Et on utilise l'expression « réseau social ». Moi, je vois bien les réseaux, je vois moins le social. Le président Obama a déclaré l'autre jour en riant, mais je ne sais plus à propos de quelle interpellation, il a répondu en disant, je ne sais plus combien, 4 ou 5 millions d'amis, c'est beaucoup. Il faisait allusion à Facebook ou je ne sais pas quoi. Une des questions à laquelle je ne répondrai pas, mais c'est de savoir est-ce que la communication est la relation. Je ne le crois pas. Et ça pose des tas de questions touchant au statut de l'espace et du temps dans la symbolisation, dans l'élaboration des relations. Egy kérdés, hogy mondta, hogy mennyire megváltozott Párizs közepe, és hogy turistásodott. Már nem laknak ott, nem dolgoznak ott. Mondhatnánk azt, hogy Párizs közepe egy nem hely lett? Ezen az egyik kérdés, és ugyanígy ehhez részben kapcsolódik, hogy azt mondják, hogy a turisták egy ilyen buborékban közlekednek, tehát hogy viszik a saját környezetüket magukkal, és hát kicsiben ez történik azzal, aki zenét hallgat, aki a smartphone-ján játszik. Tehát, hogy voltak éppen most már a legtöbb közös tér, amilyen például a metró kocsinak a közös tere lenne, az ilyen sok kicsi zárványnak az egymás mellettisége. Tehát a tekinteteknek a találkozása az már rég nincs, bár van egy érdekes magyar sajátosság, hogy lehet felelőtlenül bámulni másokat, és ez a mozgó lépcsőn föl le. Mert mindenki meretten bámulja azt, aki szembe jön, de ugyanakkor következmény nélküli. De a kérdés végsősorban egyrészt Párizs közepe, másrészt pedig ez a számomra ilyen kiborg jellegű létezés, ahogy valamilyen elektronikus kütyűre rá kapcsolva az emberek megteremtik a saját terüket. Oui, alors c'est vrai que le centre de Paris
comme le centre de pas mal de villes historiques, se vide de population pour des raisons diverses. Ça coûte cher, essentiellement c'est le prix à louer ou à acheter. On ne peut pas dire que ce soit un désert, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à Paris, mais c'est vrai qu'il y a ce mouvement. Et d'un autre côté, ce que vous disiez me frappait, parce qu'il y a des scènes qui vous sautent aux yeux comme ça. Vous imaginez un café, la terrasse d'un café, deux personnes face à face, un homme, une femme, chacun avec son téléphone. Ils ne parlent pas entre eux, mais ils ont des interlocuteurs lointains. Et dans la rue, maintenant, je me rends compte que les rues sont peuplées de fantômes, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas là, mais avec lesquels communiquent tous ceux que vous croisez et qui ont l'air de parler tout seuls. Ça, c'est impressionnant. Au début, d'ailleurs, je croyais qu'ils parlaient tout seuls parce que, en mettant les écouteurs dans les oreilles, ça leur donne une allure étrange parce que quand ils portaient le téléphone encore, ils étaient moins expressifs. Mais là, ils s'animent. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui vous croisent et qui sont indignés ou qui sont enthousiasmés. Et il faut toujours faire... Ça me gêne toujours, ça, c'est cette espèce de dialogue avec, avec les habitants les plus nombreux de la rue qui sont évidemment des fantômes. C'est assez impressionnant ce que vous dites. Et quant à la ville elle-même, c'est vrai qu'elle a tendance à se transformer de manière générale en musée. De même que les musées, eux, ont tendance, l'architecture aidant, à se transformer en monuments au contenu desquels on ne s'intéresse plus. C'est un double mouvement. La ville se transforme en musée, mais ce sont les monuments eux-mêmes qui deviennent les objets que l'on considère. Je crois d'ailleurs que il y a une tendance assez générale, je fais cette parenthèse, aujourd'hui, notamment grâce à l'action de l'UNESCO, qui est salutaire à certains égards, mais on met au patrimoine de l'humanité. Nous sommes en train, à l'échelle de la planète, de faire le ménage, de ranger les choses. On classe, il y a des choses qui sont préservées, sont classées au patrimoine de l'humanité. Lorsqu'il s'agit de régions plus ou moins naturelles, on parle de parcs naturels. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des parcs et des patrimoines. On range un peu, on creuse un peu, on met les déchets, les saletés, on les enlève, les déchets atomiques notamment, on creuse, on cache ça. Mais c'est un petit peu comme si on préparait la planète pour des visiteurs futurs, des visiteurs extraterrestres peut-être. On met de l'ordre un peu dans la maison. C'est une autre expression quand même de ce côté planétaire, de la dimension planétaire, que l'on trouve dans les grandes institutions comme l'UNESCO et l'ONU, évidemment. Merci. Je pense que c'est bien le temps d'ouvrir la discussion. Donc, tehát most kinyitnánk a vitát, és lehet kérdezni gyakorlatilag. Elsőben nyilvánvalóan Márko Zsétól, de nyilvánvalóan a kerekasztal más résztvevőitől is. És nyugodtan lehet magyarul feltenni a kérdést, hiszen van tolmács. Hogy, és igen, azt kérdem, hogy tegye fel a kezét, és akkor oda viszünk egy mikrofont, aki kérdezni szeretne. Allô. Voilà. Excusez-moi, le français, c'est pas ma langue maternelle non plus, donc je parle pas hongrois, je parle plus ou moins bien français. Et donc, si je comprends bien, les loliers, ça a lieu normalement dans les pays du premier monde, dans les villes. Ce sont des espaces petits, ils sont les centres commerciaux et l'autoroute, même la banque, ou les petits espaces qui n'est pas ni les trottoirs ni la rue. Donc c'est cet endroit qui, on ne sait pas où on est, c'est ça le non-lieu. Je me pose la question si on peut parler des pays ou des villes qui sont des non-lieux. Notamment des pays, des villes du troisième monde, où il n'y a pas ni métro, où il n'y a pas la rue,
où ce qu'on a, c'est un chantier, ils sont une mine de charbon, une production pétrolière, où les gens aussi sont un peu comme des fantômes, parce qu'ils sont mal nourris, parce qu'ils ne sont pas vraiment des conditions sanitaires. C'est aussi une sorte de fantasmes, mais des fantasmes qui sont très loin de la rue, qui sont très loin de la mondialisation et qui sont très loin de la technologie finalement. Et la même chose avec la personne qui habite dans la rue. Disons, la souffrance de celui qui est dans la rue, c'est quelque chose de très réel. Et quand on pose le regard de okay, les non-liés soient un endroit où on peut s'amuser, entendre quelqu'un qui chante ou qui joue la guitare, ça devient un lieu, ou de l'autre côté, c'est un non-lié parce que je marche, je ne m'aperçois pas de celui qui est à côté de moi. Mais je pense qu'il y a une autre dimension plus profonde, et c'est justement une certaine douleur humaine que je ne trouve pas ou je n'arrive pas à trouver dans cette approche de lié et non-lié, dans cette opposition. Donc la question, c'est comment on résoudre ces autres endroits. Voilà. Oui, je ne sais pas si j'ai très bien compris votre question, mais pour moi, l'opposition entre lieu et non-lieu est une opposition technique. Il y a des tas de lieux de misère qui se développent sur la surface de la Terre. On peut s'interroger pour savoir si ce sont des lieux ou des non-lieux, mais on aura des réponses assez diversifiées. Ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est en effet depuis quelques décennies la multiplication de ces espaces qu'on ne saurait qualifier et qui sont les camps de réfugiés, les espaces d'accueil, enfin vous voyez, aussi bien de Lampedusa ou les camps palestiniens, etc. Mais vous savez bien aussi que techniquement, il peut y avoir des relations sociales très intenses, c'est d'ailleurs le cas dans certains de ces espaces de réfugiés. Et je n'utiliserai pas le terme de non-lieu a priori pour désigner en général les espaces de réclusion ou d'exclusion, parce que ce qui est encore une fois un lieu pour certains peut être un non-lieu pour d'autres, mais ce qui est vu comme un non-lieu peut être le lieu de forme de sociabilité autre, c'est-à-dire que ça a d'ailleurs de l'intérêt de travailler, ça se fait, certains collègues le font, sur des camps de ce genre pour comprendre ce qui s'y passe et ce qui est en jeu. Et là, encore une fois, lieu-non-lieu, ce n'est pas une opposition de type... je n'y mets pas de notion de valeur. Il ne suffit pas qu'on chante dans un non-lieu pour que ça devienne un lieu et vice-versa. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Nekem nagyon nagyon megragadta a képzeletemet az, amikor még a beszélgetés elején beszélt a párizsi bérházakról, hogy ezek maguk is ilyen társadalom, az emeletek között ezek a hierarchiák, hogyan épülnek föl, erre én magam így soha nem gondoltam, és ennek kapcsán eszembe jutott Zsors Perek munkássága, vagy hát írásai, és arra lennék kíváncsi, hogy milyen kapcsolatot lát a saját gondolatai és Zsors Perek munkái között. Oh, j'ai beaucoup d'admiration pour Zsors Perek, comme vous pouvez l'imaginer, et beaucoup de plaisir aussi. C'est tout ce que je peux dire, une connexion sans doute au sens où je suis aussi sensible au charme de Paris. Même si ce charme aujourd'hui me séduit moins. Mais enfin, je suis un vieux parisien. Et puis Perec est un,
est un auteur tout à fait captivant. Et qu'on reconnaît aujourd'hui très bien, mais on a attendu qu'il soit mort. C'est un peu triste. Des connexions à proprement parler, je ne sais pas, peut-être. Elles seraient un peu involontaires, mais pourquoi pas. Dans la mesure où je décris quelquefois des choses, des paysages, des choses comme ça, il peut y avoir des rencontres. En tout cas, je suis un grand admirateur de Perec. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai loupé la conférence. En fait, je me suis perdu dans Budapest. Je circule à vélo. C'est une ville admirable pour le vélo, Budapest, d'ailleurs. Oui, j'avais deux choses à dire. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du fait qu'il ne suffise pas de chanter dans un grand magasin pour que ça devienne un lieu. Moi, j'ai tout de suite pensé au Alléluia de Handel, au Machis de Philadelphie. Alléluia. Enfin, tout le monde a vu ça. C'était un des grands buzz de vidéos sur Internet. C'est vraiment extraordinaire de voir finalement que ce lieu commercial, enfin la vie fait irruption, le lien entre les gens fait irruption d'une manière absolument volcanique dans ce non-lieu absolu qui est effectivement ce mall commercial de Philadelphie. J'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Si vous en avez parlé, veuillez m'excuser. Deuxième chose, il me semble qu'aujourd'hui l'espace est complètement modelé par l'automobile. Et moi, je suis donc un cycliste urbain dans différents contextes, à Paris, à New York, à Lyon, à Budapest aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un conditionnement nouveau qui fait qu'aujourd'hui, l'espace est vu à travers l'automobile. Et le comble, c'est le GPS. Le non-lieu vraiment absolu, c'est l'espace perçu à travers le GPS. Donc je ne sais pas si vos recherches ont abordé cette nouvelle irruption des technologies. Et en l'occurrence, je conclue en disant que le summum, l'archétype, le contexte, l'aboutissement suprême, me semble-t-il, du non-lieu, c'est ce que moi j'appelle le non-lieu à la plastique impeccable. C'est-à-dire un lieu qui ne sert à rien, qui est totalement artificiel, mais qui est fait pour être joli vu d'une voiture. Voilà. Merci. Merci. Première question, c'est quoi déjà ? La première remarque, c'était sortie sur quoi déjà ? C'est le marché à Californie. Ah oui. Oui. À propos de votre première remarque, c'est vrai que je n'y avais pas fait allusion à ce genre de phénomène, mais le dimanche, dans certaines banlieues parisiennes, il y a des familles qui viennent pour visiter les supermarchés, les grandes surfaces plutôt, des grandes surfaces. Et ça n'est pas nécessairement pour acheter. Ils viennent en famille pour visiter comme d'autres vont au Grand Louvre. C'est pour regarder, alors sans doute il y a des rayons privilégiés, de même qu'à Châtelet-Les Halles, on voit les jeunes gens qui vont visiter tous les rayons de produits électroniques, justement. Et d'une certaine manière, ces espaces de consommation deviennent eux-mêmes des espaces de musées actuels, vivants. Et beaucoup de gens qui fréquentent le dimanche ces grandes surfaces ne viennent pas pour acheter, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens d'acheter ce qu'ils viennent voir, mais pour visiter. Et c'est un plaisir social, d'une certaine manière, que de se rencontrer dans ces supermarchés. Je crois que c'est un exemple du fait que la notion de non-lieu est complètement relative, que tout est une question d'utilisation. Cela dit, vous avez aussi raison sur le reste. Mais c'est une question difficile.
est une question difficile pour deux sortes de raisons. Elle est difficile en soi, parce que qualifier les modes de communication qui sont à la mode aujourd'hui, c'est difficile. Leur spécialité, c'est justement de créer du lien, disent-ils. Autrement dit, les appeler non-lieux, c'est un peu provocant. Et pourtant, je crois que ce sont des non-lieux, effectivement. Mais des non-lieux, est-ce que les espaces virtuels sont des non-lieux ? C'est toute la question. Je crois que oui, mais ça demanderait du travail. Il y a des jeux qui existent au niveau mondial, il y a des gens qui ne se connaissent que sous des pseudonymes, mais qui sont sur tous les continents, etc. Il y avait quelqu'un qui travaillait un peu là-dessus. Il faut essayer de cerner les enjeux de ces espaces virtuels et le statut de la virtualité. Et ça, je crois que c'est un point auquel nous sommes tous arrivés, mais qui n'a pas été encore, je crois, complètement exploré. Cela dit, pour ce qui est de la voiture, c'est quelque chose, en effet, de particulier. Je suis retourné il y a quelque temps à Caracas. À Caracas, j'y étais allé il y a une vingtaine d'années, et c'était une ville animée, désordonnée, mais où on entendait la musique tout le temps, parce que les gens voyageaient avec les vitres baissées et mettaient la musique à fond. Ce qui m'a frappé dans mon voyage à Caracas, ça a été le silence dans les rues. Enfin, silence. Non, il y a des klaxons et il y a du bruit, mais il n'y a plus de musique. Alors, je me demandais pourquoi, et j'ai eu l'explication assez facilement. Le nombre de voitures augmentait. D'ailleurs, la circulation était déjà impossible il y a 20 ans. Elle est devenue totalement impossible parce que les gens restent dans leur voiture quand même. Et tout se bloque. Il y a des moments de la journée où tout est arrêté. Mais l'insécurité qui est dénoncée souvent et qui est réelle fait que les gens ne veulent plus ouvrir leurs vitres. Ils sont donc enfermés dans leur voiture et c'est des vitres noires, fumées, parce que pour qu'on ne voit pas s'ils sont seuls. Autrement dit, ce sont des vrais petits isolats et on voit, il y a aux heures de pointe, ces heures de pointe où tout est encalaminé dans les boulevards, il y a là un espace étonnamment silencieux. Il y a un aspect aussi de la lutte des classes qui est que les deux roues à moteur ont pris de l'importance. Chavez avait donné quelques moyens à beaucoup de gens pour s'acheter des vélos moteurs, ce qui fait que on voit les vélos moteurs qui circulent entre les voitures qui sont à l'arrêt, et tout cela s'effectue dans une très mauvaise humeur ou avec des gestes de défi qui montre que la lutte des classes n'est pas terminée. Et ça m'a beaucoup frappé, c'était quelque chose d'instantané. Alors c'est pas, je parlais de cet exemple parce qu'il est l'exemple limite de ce que vous citez. Pour ce qui est de l'esthétique, on pourrait citer aussi tous ces ronds-points, ces roundabouts que l'on a fait en Bretagne par exemple, avec une pièce, un monument d'art au milieu qui est une pièce d'art, comme on dit. Tout ça, les municipalités ont dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Je ne sais pas si ça a ralenti beaucoup la circulation, si certainement. Je ne sais pas si ça avait servi à quelque chose sur le nombre de victimes de voitures, mais en tout cas, ils auront pu observer quelques horreurs aux entrées et aux sorties des villages. Il y a une esthétique propre non pas aux autoroutes, mais aux voies latérales, hein, qui est particulière.
Oui, juste une petite remarque. Il me semble que c'est un phénomène assez récent qu'il y a des non-lieux qui cherchent à prendre les traits des lieux, qui ont peur de se montrer des non-lieux et essayent de se passer pour des lieux. Je peux faire référence à des magasins. L'autre jour, je suis tombé sur un magasin qui s'appelle, à Paris, qui s'appelle Zadig et Voltaire. Donc c'est un magasin de mode qui est un non-lieu par excellence. Tandis que Voltaire et Zadig, l'un c'est un écrivain, l'autre c'est un protagoniste de ce même écrivain. Et je trouve assez hallucinant cet usage idéologique des traits qui sont liés à des lieux par des entités qui sont mis dans un contexte de non-lieu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça répond à cette idée que il faut rendre les lieux vivables, les non-lieux si vous voulez, vivables, pour qu'ils deviennent des lieux. Cette idée qu'on va transformer des non-lieux en lieux par quelques interventions part d'une idée approximative, à mon avis, de ce que sont les uns et les autres. Mais c'est constant sur les aires de jeu, sur les autoroutes, pour que les enfants puissent s'amuser quand la voiture s'arrête. On essaie de faire presque des simili-villages. Il y a aussi, il faudrait regarder aussi toutes ces choses, tous les facsimilés qui sont à la mode. Je ne parle pas tellement, même en laissant Disneyland de côté, les center parks qui imitent des villages là où il y en a déjà. Il y en a pas mal en Allemagne et dans l'Europe du Nord, mais il y en a deux en France, à ma connaissance. Il y en a un en Normandie et l'autre en Sologne. Et c'est-à-dire des endroits où il y a de très beaux villages. Et puis alors là, il y a un espace délimité et il y a un faux village avec de fausses maisons, enfin des faux feux de cheminée, etc. Mais c'est un but touristique, bien sûr. Mais ce qui est amusant, c'est que ce lieu de tourisme compose une imitation des vrais villages. Alors il suffit de sortir du parc fermé pour trouver les vrais villages. Mais ça existe aussi à l'échelle mondiale, puisque j'ai vu des amis qui avaient été frappés par le fait que les Chinois étaient venus dans leur village pour le copier et le transporter en Chine, où il fonctionne d'ailleurs comme un vrai village. Ce qui est étonnant, c'est ce souci du mimétisme. Je me demande si ça n'est pas une espèce de dérive de la société de l'image. À force de voir les choses sur l'écran, on transpose les réalités de l'écran dans l'espace simple. Est-ce que c'est le même statut ? Une image dans l'espace ou une image sur l'écran, c'est la même chose. Questions, remarques, commentaires ? Si. Je me lève. Donc, je m'excuse s'il était déjà question des hétérotopies de Michel Foucault, mais je suis arrivée un peu en retard à cause du métro de Budapest qui était bloqué. Et donc, parce que je réfléchis beaucoup, quelle est la différence entre l'espace-lieu ? Hétérotopie non-lieu. Parce que j'essaie de me définir à moi-même ces notions, mais je voudrais bien savoir quelles sont vos définitions sur ces notions qui sont pour le moment un peu confuses dans ma tête. Donc merci beaucoup. Espace et lieu, c'est ça ? Espace, lieu, non-lieu. Et puis, parce que vous avez mentionné le musée. Et puis, le musée, dans les écrits de Michel Foucault, sont des.
lui, il part des espaces, pas des lieux. Donc ce sont des hétérotypies, hétérotopies par excellence, avec la bibliothèque par exemple. Oui. Vous auriez pu aussi parler de Michel de Certeau, qui n'emploie pas les mots espace et lieu dans les mêmes sens que j'utilise. Bien sûr, chacun donne ses définitions, il n'y a pas de contradiction, mais il faut prendre des termes et donc essayer de les définir. Chez de Certeau, si je me souviens bien, l'espace était le lieu mis en mouvement. Lorsqu'il monte en haut du World Trade Center, à l'époque, il a l'impression que la ville est un quadrilatère bien réglé, etc., et qu'il n'y a pas de liberté. Et puis il dit, il faut descendre au rez-de-chaussée pour retrouver la liberté des rhétoriques piétonnières, ce qu'il appelle les rhétoriques piétonnières. Et là, je crois que c'est plutôt l'espace par rapport au lieu fixe, n'est-ce pas ? C'est l'espace mis en mouvement, la pratique de l'espace. Alors, chez Michel Foucault, l'hétérotopie ne se situe pas exactement dans la même perspective. Le musée, j'ai pas pensé à faire un parallèle, si vous voulez, entre les notions de non-lieu et d'hétérotopie, donc je vous en donnerai pas une diffusion, je serai un peu sauvage en m'en traitant, mais on est plutôt du côté de la reproduction, justement, ou du lieu qui se constitue face à d'autres lieux. Mais je ne crois pas que j'éclairerai très efficacement votre lanterne. Il faudrait que je reprenne ces questions-là. Je m'excuse. Hogy én azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy mondjuk akár egyedül egy nem helyen utazva is történhet olyan dolog, például mondjuk egy részeg ember hangoskodása, vagy ilyesmi, amire akár még egy év múlva is visszaemlékezünk, és mondjuk beszélünk róla, hogy ilyenkor mi történik, amikor valami kizökkent minket a... a nem hely működéséből. La question est posée à tous. Oui. Oui, vous voulez dire peut-être que le lieu s'inscrit dans le temps, donc il est routinier. Et que si un événement surgit, on va s'en souvenir. Mais qu'il peut surgir aussi, vous l'avez dit, dans un non-lieu. Mais je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait l'esprit de votre question. Je ne voudrais pas répondre à côté, je ne sais pas. Dans un métro, dont je parlais tout à l'heure, justement, ces espaces où on essaie de se fuir le regard de l'autre, s'il y a un incident de ce genre, tout le monde se met à parler et on rentre dans un lieu, au contraire. C'est ça qui se passe. L'ivrogne dont vous parlez, je crois que si on le remarque tout de suite, je ne sais pas pourquoi vous vous en souviendriez seulement un an plus tard, de toute façon, je crois que c'est un mauvais exemple, parce que s'il fait scandale dans le moment, vous allez dire au voisin, il exagère, etc., ça va peut-être créer un lien. Mais si vous parlez en plus en général de la routine, elle est commune à tous les...
les non-lieux sont des exemples de routine aussi, bien sûr, puisqu'il y a des horaires, il y a des dans un aéroport en même temps, etc. Avec toujours la possibilité d'incidents, de choses qui échappent à la norme. Et donc il y a toujours de l'imprévu possible. Je crois que la question que vous posez essaie de déplacer dans le temps les considérations sur l'espace, et c'est bien, mais je suis pas sûr des réponses qu'on peut vous apporter. Csak egy gyors észrevétel, hogy a nem... Hogyha jól értem a definíciót, akkor a nem helyek azok olyan helyek, amelyekben a viszonyokat elsősorban szerződések szabályozzák, és amikor valamilyen normaszegés történik, például a metróban, vagy például most arra utaltam, hogy hangosan beszélnek a metróban, tehát amikor valamilyen normaszegés történik, akkor az emberek hajlamosak félrenézni azért, mert a szankciót azt kívülről várják valamilyen kodifikált irányból, és ezért később reagálnak, vagy szóval többet tolerálunk egy metrókocsiban, mint mondjuk egy baráti társaságban. Ha valaki hangoskodik egy baráti társaságban, akkor rögtön szólunk neki, hogy te jó, egy kicsit halkabban beszéljél, itt vannak a szomszédok, stb. A metróban elég sokáig bírjuk, és hát valószínűleg nem is tudna máshogy működni a metró, mert annyiféle ember van, hogy ezt valahogy kénytelenek vagyunk e fölött szemet hunyni. Úgyhogy amikor valamilyen normaszegés történik, és az felkelti a figyelmet, akkor az szerintem az elég komoly dolog egy metróban. Jó estét kívánok! Én azt szeretném kérdezni, hogy a nem hely élménye az mennyire szubjektív élmény, illetve hogy beszélhetünk-e objektív értelembe vett nem helyekről? Il y a toujours une dimension subjective effectivement dans l'appréciation d'un espace, et je conçois qu'on puisse le dire, mais dans l'idée que j'avais de la définition, j'avais essayé de donner une définition stricte et souple. Souple parce qu'elle était relative et que je n'ai pas fait une liste de lieux et une liste de non-lieux, parce qu'un lieu peut être ce qui est un lieu pour les uns peut être un non-lieu pour les autres. Ça n'est pas la même chose, encore une fois, de travailler dans un aéroport quotidiennement et d'y passer comme un voyageur. Donc, ce que j'avais essayé de dire, c'était qu'un espace sur lequel on pouvait lire les relations sociales, plus éventuellement quelques marques temporelles partagées, quelques témoignages communautaires, c'était un lieu. Et que lorsque cette lecture n'était pas possible, on était plutôt dans un non-lieu. Mais elle peut être... c'est-à-dire que si vous avez une foule dans un grand magasin, vous ne pouvez pas faire une lecture des relations sociales. Tandis que si vous êtes dans un village traditionnel africain, où il y a des règles de résidence, où on est obligé d'habiter chez son père ou chez son oncle maternel, ça dépend des ethnies, où la femme doit rejoindre son mari simplement après le deuxième enfant, etc. Enfin, il y a des règles qui existent comme ça dans toutes les sociétés, qui sont très strictes. Ce qui fait que si vous faites une cartographie du village, en termes géographiques simplement, vous avez du même coup une photographie de la société ou des relations, de l'ensemble des relations sociales. Et ça, c'était ce que j'appelais le lieu anthropologique. Alors le lieu anthropologique, c'est pas la panacée, c'est pas le bien, c'est le lieu où chacun est à sa place. C'est le maximum de sens, si on définit le mot sens par l'ensemble des relations sociales. À la limite,
dans une société de ce genre, le mot de liberté n'a pas de sens pour les individus. Parce que, je dis à la limite, bien sûr, parce que les règles sont tellement strictes que vous êtes obligé d'habiter là où vous habitez, vous avez des comportements imposés, etc. Et donc l'espace de liberté peut se négocier, mais il est très fragile, très restreint. En revanche, on peut concevoir des espaces dans lesquels aucune lecture de ce genre n'est possible, mais où il n'y a pas de sens au niveau des relations sociales. C'est la foule indéfinie dans les espaces comme les aéroports, les supermarchés, etc. Ou les foules plus restreintes, d'ailleurs dans un avion. Dans un avion lui-même, c'est un petit espace, c'est un lieu en ce sens, mais c'est un non-lieu parce que les liens, il y a chacun à sa place aussi, mais il n'y a pas de relation, en principe de relation de type contractuel ou autre, entre les gens qui sont dans l'avion, ils sont là à côté les uns des autres par hasard. Donc ça, c'est cela que j'appelais un non-lieu. Et vous pouvez imaginer comme le comble du non-lieu, cet espace d'errance totale, où on serait au comble de la liberté individuelle, mais une liberté folle aussi, parce que vous ne pouvez définir l'identité individuelle qu'en relation avec une altérité. L'altérité des parents, d'abord, la solitude absolue n'est pas pensable. Donc c'est plutôt le couple sens-liberté que je définirais par rapport à ces espaces de lieu-non-lieu. Le comble du lieu, ça serait le comble du sens et l'absence de liberté. Le comble du non-lieu, ça serait le comble de liberté, mais jusqu'à la folie, c'est-à-dire jusqu'à la mort, parce qu'il n'y aurait plus de relation ni de vie. Et je pense que l'idéal de la démocratie, c'est de conjuguer le sens et la liberté en ce sens. C'est-à-dire, il faut évidemment un minimum de cohérence sociale, et il faut qu'elle s'arrête là où elle devient une espèce d'obstacle à l'épanouissement individuel. C'est une définition un peu idéaliste, mais ça me paraît opératoire. Köszönöm. Egy utolsó kérdést lenne még időnk. Ça sera la dernière question. Petite dernière question. Köszönöm. Én a színházzal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Én egy lakásszínházban dolgozom, pontosabban egy színházi társulattal, akik lakásban adják elő az előadásaikat. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy nagyon sokan azért nem mernek eljönni hozzánk, hogy azért elutasítóak a lakásszínházzal szemben, mert hogy egy nagyon erős kapcsolat alakul ki színész és néző között. És úgy érzem, hogy a mainstream színházban, ha mondhatom így, Magyarországon főleg az a jellemző, hogy nem alakul ki erős kapcsolat néző és színész között. Így az jutott eszembe, hogy talán azért ijednek meg az emberek a lakásszínháztól, mert hogy az egy nem helyé alakul. Mit gondol ön erről? Je trouve très intéressante votre remarque, parce que l'espace du théâtre est un espace qui m'intéresse beaucoup. J'aurais presque envie de vous retourner la question et de vous demander si vous avez le sentiment d'être en scène lorsque vous jouez dans votre appartement. Parce qu'il y a toujours évidemment un rapport de complicité et d'éloignement entre les acteurs sur scène et les spectateurs. Vous savez qu'à l'époque classique, d'ailleurs, il y avait plein de spectateurs qui étaient sur la scène,
Autrement dit, ce n'était pas simplement une question d'espace physique. Je voudrais volontiers poser la question de savoir comment vous marquiez la distinction dans l'appartement entre le lieu du théâtre, de la scène, entre guillemets, si vous voulez, et les spectateurs. Est-ce que c'était... Bon, je ne vais pas vous retourner la question, mais je crois en effet que les gens doivent avoir peut-être peur d'une immersion trop grande. C'est possible. Je pense que d'une certaine façon, il y a toujours un problème de relation entre les acteurs et les spectateurs. Même si dans les formes les plus participantes, il y a toujours une obligation de penser la nature de cette relation. Parce que précisément, le théâtre, c'est un lieu. C'est même, à vrai dire, le lieu par excellence. Un lieu parce qu'il n'existe qu'à partir du moment où tout le monde est intéressé à la même chose. Les acteurs jouent leur rôle, mais les spectateurs, s'il n'y avait pas de spectateurs, ça ne serait pas possible. Et il y a une solidarité, une intimité de la relation qui est très forte. Ce qui fait que peut-être c'est cette intimité même qui en effet, c'est ce que vous suggériez, peut-être effraie un peu les spectateurs qui n'osent pas venir dans un appartement, c'est possible. Moi, j'aurais voulu savoir si ça vous gênait comme acteur. Parce que, d'une certaine manière, j'ai l'impression que les acteurs, quand ils s'expriment, ont une liberté de s'exprimer. Je pense plutôt à des séances d'improvisation. Mais ont une liberté de s'exprimer qu'ils n'auraient pas forcément dans une situation de la vie courante. Parce qu'ils ont un statut à part, ils sont sur scène. Et je voulais savoir si ça ne gênait pas les acteurs d'être en appartement, justement. Sans doute que non, puisque enfin, on pourra avoir cette conversation plus tard. Merci. Je vous remercie pour votre participation active dans cette discussion. Je vous remercie pour le public, votre intérêt. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak bennünket. Itt lezárjuk most a vitát. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.